Chers apprenants, je suis M. Somba jean professeur d'histoire et de géographie au secondaire. Aujourd'hui, nous allons étudier un cours de géographie niveau terminal portant sur les caractères généraux de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et leurs problèmes au Congo. Donc, notre leçon à trois volets. Le premier volet porte sur les caractères généraux de l'agriculture et ses problèmes au Congo. Le deuxième volet s'articulera autour des caractères généraux de l'élevage et ses problèmes au Congo. Et le troisième volet, n'est-ce pas, parlera des caractères généraux de la pêche et ses problèmes au Congo. Ceci étant dit, donc, disons que le Congo, pays en développement, a besoin pour se développer de certaines activités dont l'agriculture, l'élevage et la pêche. Cependant, ces activités que nous venons de citer ici sont confrontées à plusieurs problèmes. Donc, ce sont ces caractères généraux. Et ces problèmes qui fera l'objet de notre leçon d'aujourd'hui. Donc commençons par les caractères généraux de l'agriculture et ses problèmes au Congo. Donc c'est notre première partie que nous allons entamer maintenant. Donc les caractères généraux de l'agriculture et ses problèmes au Congo, bien sûr. Bien, à ce sujet. Que peut-on dire des caractères généraux de l'agriculture Donc ici, nous allons commencer par les caractères généraux de l'agriculture et nous allons terminer par voir les problèmes auxquels est confrontée l'agriculture au Congo. Donc, voyons d'abord les caractères généraux de l'agriculture. C'est le petit 1. les caractères généraux de l'agriculture. Bien, à ce sujet, nous allons donc dire que l'agriculture au Congo présente des caractères à la fois traditionnels et modernes. Donc, quels sont les caractères traditionnels et quels sont les caractères modernes de cette agriculture? Voyons d'abord les caractères généraux de l'agriculture traditionnelle. Donc, ici, je mets, je ne reproduis plus les caractères généraux, mais je mets seulement l'agriculture traditionnelle pour que vous compreniez que nous sommes dans, en train de voir dans l'étude de ces caractères généraux. L'agriculture traditionnelle. Mais avant de voir les caractères généraux de l'agriculture traditionnelle, il s'est de dire que l'agriculture traditionnelle est pratiquée partout au Congo, plus particulièrement dans nos campagnes. Mais quels sont donc ces caractères généraux À ce sujet, disons que l'agriculture traditionnelle n'est-ce pas, utilise un outillage rudimentaire. Donc ça, c'est le premier caractère général de l'agriculture traditionnelle. Donc, l'utilisation ou bien l'usage d'un outillage ou bien des outils rudimentaires. Donc, un outillage. un outillage rudimentaire constitué de la houe, de la machette, de la hache, etc. Donc, ça c'est le premier caractère. De l'agriculture traditionnelle. Cette agriculture, n'est-ce pas, se caractérise également par l'usage des techniques culturelles diverses. Donc, diverses techniques culturales sont utilisées, mais dans ces techniques culturales, la plus répandue est celle, n'est-ce pas, du brûlis. Que nous soyons en forêt, que nous soyons en zone de savane, n'est-ce pas? Tout le monde utilise le brûlis. En forêt, la technique consiste d'abord à défricher une partie de la forêt, à battre les arbres et les arbustes et à mettre le feu. Et après, c'est sur le brûlis qu'on sème. En zone de savane, cette technique consiste au défrichement, dis, au débroussage d'abord de la savane et on brûle les herbes une fois séchées. Et c'est à partir de là, dès les premières pluies, qu'on commence à cultiver. Donc, deuxième caractère, diverses techniques, diverses techniques culturales, diverses Technique culturelle, dont la plus répandue est le brûlé. Ça, c'est le deuxième caractère général de l'agriculture traditionnelle. Troisième caractère général de l'agriculture traditionnelle, cette agriculture donc, porte sur des cultures vivrières culture vivrière culture vivrière donc qui servent à alimenter le paysan et sa petite famille. Donc qu'est-ce qu'on cultive dans cette agriculture Nous avons des produits tels que le manioc la banane Le maïs. Bon, je mets le point de suspension parce qu'il y a des légumes, il y a des arbres fruitiers, y a des condiments. Donc, toute une gamme de cultures vivrières sont plantées dans cette agriculture. Mais, compte tenu de l'outillage rudimentaire et des techniques, n'est-ce pas, culturelles archaïques, cette agriculture donne des rendements faibles. Donc c'est le quatrième caractère général de l'agriculture traditionnelle. Donc des rendements faibles à cause de l'utilisation de l'outillage rudimentaire et des techniques culturelles archaïques. Et lorsque les rendements sont faibles, cela signifie que la production est essentiellement autoconsommée. Donc ici, ça donne production. Essentiellement. Production. Essentiellement. Autoconsommé. Voilà donc les caractères généraux de l'agriculture traditionnelle. Donc, si je peux récapituler rapidement, nous dirons que cette agriculture utilise un outillage rudimentaire constitué de la houe, de la matière, de la hache. Diverses techniques sont utilisées dans cette agriculture, dont le brûlis, que ce soit en zone forestière ou en zone de savane. Et cette agriculture porte sur une diversité de cultures vivrières, comme le manioc, la banane, le maïs, etc. Et les rendements de cette agriculture et les rendements sont faibles. D'où cette production est essentiellement destiné à l'autoconsommation. À côté de l'agriculture traditionnelle, nous avons également un autre type d'agriculture qu'on pratique au congo c'est l'agriculture moderne. Donc, voyons maintenant les caractères de l'agriculture moderne. L'agriculture Moderne. Bien, excusez-moi que je nettoie d'abord les premiers éléments. Bien, en ce qui concerne les caractères généraux de l'agriculture moderne. ici nous allons d'abord dire que l'agriculture moderne utilise n'est-ce pas des machines agricoles. Donc ici nous avons l'usage des machines agricoles, l'usage des machines agricoles comme comme les moissonneuses batteuses donc dans cette agriculture le premier caractère qui le différencie de l'agriculture traditionnelle et l'usage des machines. Deuxième caractère, cette agriculture, cette agriculture est scientifique. Donc, c'est une agriculture, agriculture scientifique. Agriculture scientifique qui associe Agriculture scientifique qui associe la recherche agronomique qui associe la recherche agronomique. Dans la recherche agronomique, ici, nous avons l'étude des sols, la sélection des semences et, n'est-ce pas, l'emploi des, pro des produits phytosanitaires tels que les pesticides, les fondicides et les herbicides. Deuxième caractère. Donc, troisième caractère, cette agriculture porte sur des cultures commerciales. Et industrielle des cultures commerciales et industrielles, culture commerciale et industrielle, telle que la canne à sucre encaillée par Saris. canne à sucre. Nous avons également le palmier à huile. Palmier à huile. Le café. Le cacao. Point de suspension. Ça c'est le troisième caractère général de l'agriculture. Maintenant, le quatrième et dernier caractère général de l'agriculture moderne, c'est que la combinaison de l'emploi des machines agricoles, de la recherche scientifique et agronomique nous donne des rendements élevés. Donc, dernier caractère général de l'agriculture moderne, c'est que c'est une agriculture à haut rendement. Donc les rendements de cette agriculture sont élevés. Cela signifie que cette production est destinée à la commercialisation ou à la transformation. Commercialisée ou transformée. Voilà les caractères généraux de l'agriculture moderne. Cependant, que ce soit l'agriculture traditionnelle, que ce soit l'agriculture moderne. Donc ces deux types d'agriculture sont confrontés à un certain nombre de problèmes au Congo. Donc ce sont ces problèmes que nous allons voir maintenant. Donc c'est le petit 2, les problèmes de l'agriculture congolaise. Les problèmes de l'agriculture. Quels sont les problèmes auxquels est confrontée l'agriculture congolaise C'est ça qui fera l'objet de cette partie. Bien, ici, dans ces problèmes, nous allons les catégoriser. Nous allons voir par catégorie quels sont les problèmes auxquels est confrontée l'agriculture congolaise. Donc, ici, nous allons dire qu'aujourd'hui et depuis fort longtemps, l'agriculture congolaise est confrontée à plusieurs problèmes d'ordre physique. C'est pour cela que tout à l'heure, j'ai parlé de la catégorisation de ces problèmes. Donc, des problèmes d'ordre physique, humain et technique, et économique et organisationnel. Donc, nous allons voir ces problèmes sous trois angles. Sur le plan physique, sur le plan humain et technique, et enfin sur le plan économique et organisationnel. Mais commençons d'abord sur le plan physique. Quels sont les problèmes auxquels est confrontée l'agriculture congolaise? Bon, ici, nous allons dire que l'agriculture congolaise est confrontée sur le plan physique aux aléas climatiques. aux aléas climatiques par aléas climatiques nous allons entendre l'abondance l'abondance ou l'irrégularité des pluies s'il pleut beaucoup, n'est-ce pas, les cultures sont menacées. Et s'il ne, ne pleut pas aussi du tout, cela constitue également un danger pour l'agriculture. Donc, sur le plan physique, nous avons les aléas climatiques, tels que l'abondance ou l'irrégularité de pluie. Nous avons un autre problème aussi dans certaines zones, c'est, n'est-ce pas, la présence. Des sols acides. Donc, l'acidité de certains sols entraîne également leur pauvreté. Donc, ici, nous avons également l'acidité des sols qui entraîne leur pauvreté. Voilà les grands problèmes auquel est confrontée l'agriculture congolaise sur le plan physique. Maintenant, sur le plan humain et technique, quels sont les problèmes majeurs auxquels est confrontée l'agriculture au Congo Donc, sur le plan humain et technique. Sur le plan humain et technique. Donc, quels sont les problèmes auxquels est confrontée l'agriculture congolaise Et ici, nous allons, nous n'allons pas citer tous les problèmes, mais nous allons prendre les plus frappants. Donc, ici, nous allons dire que sur le plan humain et technique, L'agriculture au Congo se heurte au vieillissement au vieillissement vieillissement de la population vieillissement de la population rurale vieillissement. De la population rurale due à l'exode rural. Due à l'exode rural. Donc, ce qui entraîne la baisse de la production agricole. Donc, nous avons un problème de vieillissement de la population rurale. Nous avons également un autre problème celui-là aussi sur le plan humain, c'est le, dé, le désintéressement des jeunes à l'activité agricole. Donc, désintéressement des jeunes, désintéressement des jeunes à l'activité agricole à l'activité agricole bien ça veut tout dire vous comprenez déjà ce que ça veut dire donc les jeunes n'aiment plus n'est-ce pas pratiquer l'agriculture préfèrent faire autre chose que de s'intéresser, alors que l'agriculture est proclamée depuis un certain temps priorité des priorités. Et c'est la base même du développement économique d'un pays. Mais malheureusement, les jeunes ne s'intéressent pas à cette activité. Autre problème, toujours sur le plan humain et technique, auquel est confrontée, n'est-ce pas, l'agriculture au Congo, est n'est-ce pas? Le, feu, le faible encadrement technique des paysans. Donc faible. Faible encadrement. Faible encadrement technique. Faible encadrement technique des paysans. Les paysans, le plus souvent, sont abandonnés à eux. mêmes Donc, que ce soit du côté du gouvernement ou que ce soit du côté des ONG ou encore du secteur privé, tout court. Bon, pour le secteur privé, tout à l'heure, nous y reviendrons lorsque nous serons dans les problèmes, n'est-ce pas, sur le plan économique et organisationnel. Bon, comme nous sommes déjà, donc nous pouvons les évoquer. Donc, sur le plan économique, sur le plan économique et organisationnel. Sur le plan économique. Et organisationnel quels sont les problèmes qui minent l'agriculture au congo donc ici donc nous allons dire que sur ce plan l'agriculture congolaise est d'abord confrontée au mauvais état des pistes agricoles, ce qui ne favorise pas, n'est-ce pas, l'évacuation rapide des produits agricoles et campagnes vers les marchés urbains. Donc, le mauvais état des pistes agricoles, il y a également l'insuffisance. L'insuffisance L'insuffisance Des infrastructures L'insuffisance Des infrastructures de transformation L'insuffisance des structures de transformation, virgule, de conservation, conservation ou de stockage des produits agricoles. Donc, l'insuffisance des infrastructures de transformation, de conservation ou de stockage des produits agricoles. Il y a également l'implication timide. Là, nous sommes sur le plan économique et organisationnel, bien sûr. L'implication... timide du secteur privé, l'implication timide du secteur privé dans le développement agricole. donc l'implication timide du secteur privé dans le développement agricole. Voilà donc les problèmes auxquels est confrontée l'agriculture congolaise au plan physique, humain et technique et économique et organisationnel. Voilà. Ça, c'était pour notre premier volet. Donc, les caractères généraux de l'agriculture et ses problèmes au Congo. Après l'agriculture, nous passons à notre deuxième volet qui porte sur les caractères généraux de l'élevage et ses problèmes, n'est-ce pas, au Congo. Donc, c'est le grand 2. Bien. Le grand deux, rapidement, l'élevage. Donc, grand deux, les caractères généraux. Les caractères généraux de l'élevage. Les caractères généraux. L'élevage L'élevage Et ses problèmes Comme pour l'agriculture, donc nous allons dire que l'élevage au Congo présente des caractères à la fois traditionnels et modernes. Mais excusez-moi, j'enlève d'abord ce problème de l'agriculture pour passer à l'élevage. Bien. Donc, c'est-à-dire que je l'ai dit tout à l'heure que l'élevage au Congo, n'est-ce pas, présente des caractères à la fois traditionnel et moderne. Voyons d'abord les caractères généraux de l'élevage traditionnel. Donc, voyons d'abord les caractères de l'élevage traditionnel. Quels sont les caractères généraux de l'élevage traditionnel. Donc le premier caractère général de l'élevage traditionnel, n'est-ce pas, est, est que cet élevage porte sur le petit, le petit bétail de moutons. de mouton, de cabri, de porc, de bœuf et surtout de la volaille. Ça c'est le premier caractère général de l'élevage traditionnel. Le deuxième caractère général est celui dont ces espèces animales vivent en semi-liberté. Donc, ils sont abandonnés presque à eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui trouvent, n'est-ce pas, les, les aliments. Donc, semi-liberté. semi-liberté des animaux. Donc ce sont des animaux qui vivent en semi-liberté. Semi semi-liberté parce que ces animaux appartiennent à quelqu'un. Mais pour les nourrir, ce sont les animaux eux-mêmes qui se débrouillent dans la nature. Troisième caractère général de l'élevage traditionnel est que, comme les animaux sont, n'est-ce pas, abandonnés à eux-mêmes, c'est pour dire que les rendements sont faibles. Donc, rendement faible, rendement faible, ce qui implique que la production, la production est destiné à l'autoconsommation. Donc, production essentiellement, production essentiellement, auto -consommée. Voilà. Les trois. Caractères généraux de l'élevage traditionnel. Mais à côté de l'élevage traditionnel, au Congo, on pratique également un élevage de type moderne. Donc, ce sont ces caractères que nous allons voir maintenant. Donc, les caractères généraux de l'élevage moderne. L'élevage. Modèle. Le premier élément à noter dans cet élevage, c'est que c'est un élevage qui se pratique dans les ranches et fermes. Donc c'était... L'élevage qui se pratique dans les ranches et fermes où les animaux sont nourris avec des aliments de bétail. Donc, élevage qui se pratique dans les fermes et ronces. Et cet élevage porte sur les espèces animales suivantes. Les espèces animales suivantes. Bien, ici même si j'ai utilisé mouton, mais ici je change maintenant pour mettre bovin, bovin, porcin, porcin. Après, au vin, au vin, ce sont donc les moutons. Au vin, bon, caprin, caprin, A aussi la volaille. Bien, en ce qui concerne donc l'élevage moderne, L'État congolais disposait de plusieurs ranches, mais ces ranches ont été, n'est-ce pas, démantelées, donc n'existent plus à l'heure actuelle. Je peux citer les ranches de la Luamba, de la Luila, de Masangi, de la Leboulou. Mais malheureusement, aujourd'hui, ces ranches n'existent plus. Ils ont été plutôt remplacés par. Des centres de métayage. Centres de métayage qui sont spécialisés dans la reproduction bovine. Donc, nous pouvons citer le cas du centre de Rifula, près de Bazaville. Rifula. Nous avons également le centre de la DIC. À Mindouli, il y a également un centre, centre météage autre, nous avons également à Ondebi, dans, dans la cuvette, à Opocania, Toujours la cuvette et abonde. Donc ces centres sont spécialisés dans la reproduction bovine pour que ceux qui veulent pratiquer, n'est-ce pas, l'élevage, puissent aller, n'est-ce pas, le métage. Donc emprunter des animaux qu'ils pourront remettre après. C'est ça que ça veut dire métillage. Bien, voilà donc les caractères généraux de l'élevage traditionnel et de l'élevage moderne. Mais pour l'élevage moderne, nous n'avons pas encore fini parce que là, nous ne sommes qu'à un seul caractère général. L'autre caractère général, n'est-ce pas, de cet élevage, c'est que cet élevage, n'est-ce pas, donne des rendements. Élevés. Donc les rendements sont élevés. Les rendements sont élevés, donc sa production est destinée à la commercialisation. Donc production destinée à la commercialisation. Bien, voilà donc les caractères généraux de deux types d'élevage de que nous avons au Congo. Mais à quel problème est confronté l'élevage au Congo Donc, c'est le deuxième volet de cette partie. Donc, petit 2, les problèmes de l'élevage. Les problèmes de l'élevage. Comme pour l'agriculture, quels sont les problèmes auxquels est confronté l'élevage au Congo Donc, nous allons les voir tout à l'heure. Le temps de mettre un coup de chiffon ici. Bien. Donc, je l'ai dit tout tantôt que, comme pour l'agriculture, l'élevage au Congo est confronté à un certain nombre de problèmes d'ordre physique, humain et technique, et économique et organisationnel. Commençons par voir d'abord les problèmes auxquels est confronté l'élevage, n'est-ce pas? sur le plan physique. Sur le plan physique, donc, on note, sur le plan physique, on note la présence des insectes nuisibles. Présence des insectes nuisibles, voilà, oh nuisibles, tels que la mouche titi, la mouche titi le moucheron. Moucheron, etc. Donc, la présence des insectes nuisibles, n'est-ce pas, freine le développement de l'élevage au Congo. C'est le problème majeur de l'élevage, n'est-ce pas, sur le plan physique. Maintenant, sur le plan humain et technique, sur le plan humain et technique quels sont les problèmes auxquels est confronté l'élevage au Congo bon, sur ce plan nous avons identifié deux problèmes majeurs auxquels se heurte l'élevage, au Congo. Donc, nous avons le manque de vocation manque de vocation pastorale manque de vocation pastorale des Congolais. Les Congolais n'aiment pas pratiquer l'élevage comme l'agriculture tout à l'heure. Donc manque de vocation pastorale des congolais, il y a également un manque manque d'encadrement un manque d'encadrement des éleveurs manque d'encadrement des éleveurs. Voilà les problèmes majeurs auquel est confronté l'élevage au plan humain et technique. Maintenant, sur le plan économique et organisationnel, quels sont les problèmes auxquels est confronté l'élevage Donc, sur le plan économique et organisationnel. le plan économique et organisationnel. Quels sont les problèmes que rencontre l'élevage au Congo Et à ce sujet, nous allons dire que l'élevage au Congo se heurte d'abord aux coûts élevé au coût donc au prix élevé et à la rareté des produits plutôt à la rareté oui des à la rareté donc d'aliments de bétail Coût élevé et rarité d'aliments de bétail. Coût élevé et rarité d'aliments de bétail. Il y a aussi un autre problème, n'est-ce pas, auquel est confronté. L'élevage sur le plan économique et organisationnel, c'est l'insuffisance des crédits alloués, insuffisance des crédits, des crédits alloués, des crédits alloués accordés aux éleveurs. Donc, insuffisance des crédits alloués aux éleveurs. Et sur le plan organisationnel, il y a, n'est-ce pas, un manque d'organisation des éleveurs eux-mêmes. Manque d'organisation. des éleveurs. Bon, les problèmes sont nombreux, hein, mais nous nous arrêtons là. Bon, c'est pour autant dire que, donc, nous avons vu les caractères généraux de l'agriculture et ses problèmes, les caractères généraux de l'élevage et ses problèmes. Le troisième volet, nous allons le voir prochainement donc aujourd'hui nous arrêtons là mais il faut vous rappeler que après chaque séance nous avons toujours un travail à faire à la maison donc aujourd'hui ce que vous allez n'est- ce pas noter c'est n'est ce pas de chercher à traiter cette dissertation dissertation de géographie Donc, portant sur l'explication des caractères généraux de l'agriculture et ses problèmes au Congo. Donc, expliquer les caractères généraux de l'agriculture et ses problèmes au Congo. Vous connaissez comment bâtir une introduction, un développement et une conclusion d'une dissertation de géographie. Donc, nous devons avoir... Quatre éléments. Le premier élément, vous devrez d'abord présenter, n'est-ce pas, géographiquement le Congo. Donc, vous présentez une présentation générale du Congo. Dans la deuxième phrase, vous allez annoncer le sujet qui sera traité. Dans la troisième phrase, vous allez poser votre problématique. Vous savez comment poser la problématique avec la consigne qui commence par expliquer, et après vous allez annoncer les différentes parties de votre développement. Voilà donc, chers apprenants, c'est par là que nous mettons un terme à notre séance de aujourd'hui.